poignée de main ferme mais compatissante pour annoncer de bonnes nouvelles au milieu de la tempête du Covid-19 à ses familles qui en avaient besoin. Et c'est tout ce que la presse nationale et internationale sur les lieux aura le droit de filmer. Une réunion intime entre les membres du gouvernement et le collectif de parents venus chercher du réconfort auprès des autorités. Aux côtés du ministre de la Santé du Gabon, le Premier ministre a rassuré. La sécurité de ces Gabonais vivant en Chine est garantie. Les ressortissants gabonais sont pris en charge par le gouvernement chinois et l'aide financière du Gabon. À cet effet, des fonds ont été débloqués pour les 93 étudiants gabonais qui vivent en confinement à Hubei, l'épicentre de l'épidémie. Derrière les estimations encourageantes de l'Organisation mondiale de la santé qui prévoit une chance réaliste de stopper la propagation du coronavirus rebaptisé Covid-19 mardi dernier, l'épidémie a déjà provoqué la mort de 1113 personnes en Chine continentale et compte 44 000 personnes contaminées.